Les marchands vous mentent. Il n'y aura pas d'autre apocalypse. La catastrophe s'est déjà produite dans vos esprits et dans vos consciences. J'ai vu la flamme émerger de l'abysse. J'ai utilisé le tambour du serpent. J'ai vu comment l'ordre se forme à partir du chaos et des angles de la nuit. Je suis la clé et je suis la voix. Je suis la clé et la voix. Je suis la clé et la voix. Celui qui connaît le feu en lui s'élèvera pour rejoindre le feu éternel. Il traversera le fleuve et le labyrinthe. Écoutez-moi et acceptez ma sagesse. Suivez-moi et apprenez ma magie. Si vous n'avez pas la foi, vous échouerez. Devenez les maîtres des ténèbres et de la lumière et transmettez ces clés à ceux qui viendront après moi, mais uniquement à ceux que vous jugerez dignes et qui recherchent la lumière. Car pour eux seulement, le feu éternel est la plus grande de toutes les forces. Ils trouveront dans la clé des nombres le chemin qui éclairera leur lumière d'une vie à l'autre. Recherchez le sentier qui mène vers l'au-delà. Le voile des ténèbres se déchirera et laissera apparaître une lumière qui vous indiquera le chemin. Allongez-vous dans l'obscurité. Fermez vos yeux à la lumière. Et concentrez la force de vos âmes dans vos consciences.
Élevez votre flamme au-dessus des ténèbres. Abstenez-vous de succomber à l'énergie ténébreuse. Repoussez l'obscurité. Le mystère est un savoir caché qu'il faut connaître et dévoiler. Le secret est là, caché en vous.